Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterMi160. Aujourd'hui, on se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing pour, pas une nouvelle multi-invocation, mais pour tester, pour découvrir le mode PVP de Naruto Blazing qui est juste là, de Ninja World Clash. Donc j'espère que mon overlay vous plaît, en tout cas. Et pour cette vidéo de la découverte du PVP sur Naruto Blazing, je veux un 20 Mirai pouces bleus. Voilà, 20 Mirai pouces bleus, je veux cet objectif, voilà, donc j'espère que vous allez le réaliser. Donc voilà, donc on va tester ce petit mode. Donc j'ai déjà fait ma team, mais je n'ai jamais joué au jeu, enfin au mode PVP pour vraiment le découvrir avec vous. De toute façon, vous allez le voir, j'ai jamais fait une partie. Voilà, 0 points, classe point, ou next promotion de battle. Donc voilà, j'ai pas fait ma team. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que mon overlay vous plaît. J'ai mis Naruto chez KCM2, Minato KCM, Kakashi Kamui, le petit Shisui et le Sasuke EMS. Alors ma team, ah, je voulais partir avec qui? Ouais, je voulais changer juste un peu la team. Je vais pas partir avec un soigneur parce que ça sert à rien en mode PVP. Mais en vert, je n'ai pas grand chose. J'ai pas encore mis 6 étoiles mon Otakata car je n'ai pas le temps. Du coup, partir avec qui? On pourrait partir avec qui dans cette team? Bon, allez, on va partir avec Itachi. Alors, on va partir avec Itachi ou alors peut-être le Deidara, je sais pas combien il vaut en vitesse. Ah ça va, il vaut en vitesse. Donc on va prendre le Deidara du coup. Il tape fort, il tape un peu fort, donc ça va. Donc pour ma team, j'ai pris Deidara, je viens de le prendre. J'ai pris le Gaara Kazekage parce que j'ai vu pas mal de vidéos. À ce qui paraît qu'il est pas mal, il va bien pour le PVP. J'ai pris Minato Bravery parce que voilà, la rapidité. J'ai pris mon Naruto KCM2 avec Minato, comme ça ils peuvent switch. Et puis Naruto tape beaucoup plus fort que le Minato. J'ai pris bien évidemment Madara pour la rapidité. Et puis j'ai quand même pris mon petit Jiraiya Bravery, même s'il n'est pas level 100. Je l'ai pris quand même pour pouvoir taper un peu tout le monde. Donc voilà, on va faire notre première game sur le mode PVP. C'est parti, espérons gagner sur le... Je vais faire qu'une game par contre. Je vais pas faire plusieurs games, je vais en faire une pour vraiment découvrir le mode PVP avec vous. Donc voilà, j'ai mis quand même... Ah, ok, donc on a trouvé une team en face. Ah ouais, ça, on en est là, il est quand même pas mal le type. Donc j'ai pas du tout un mec en long... J'ai beaucoup de... Si, j'ai le Minato en vaste, donc ça va. On va beaucoup essayer de taper vite. Vu que j'ai pas le Minato KCM, d'ailleurs, bah, ça va être un peu compliqué. Ah là là. Allez, hop. Donc le mode PVP, je pense qu'il bug un peu. Hein. Je n'ai pas testé. C'est la première partie que vous allez voir sur la chaîne. Je la fais avec vous, les potos. Bien évidemment. Donc voilà, n'oubliez pas les petits Mirai pouces bleus. Et de partager, bien évidemment. Donc du coup, c'est à qui va arriver en premier? Deida. Oh putain, Gai Sensei qui arrive en premier. Donc du coup, il va faire quoi? Je pense qu'il va taper mon... Ah ouais, mais vu que j'ai deux rouges, vas-y pour t'accrocher, poteau. Hein, tu vois, j'ai deux rouges. Il a pas le moyen, il a pas de moyen pour... voilà, il a switch avec sa Tsunade. Du coup, je suis avec monsieur... Je vais essayer de toucher les deux là-bas. Voilà, Gaara Kazekage qui va faire le taf. Boum. Celle de Jutsu, s'il te plaît. Voilà, j'ai laissé les leurs de Jutsu. Comment? Je suis tranquille. J'ai mon Minato qui peut m'aider avec mon Naruto KCM qui va bien m'aider aussi. Du coup, je vais plutôt utiliser le Jutsu de Naruto KCM pour vite éliminer la Tsunade. Pour pas qu'il se soigne. Hop. Clac. Donc il a perdu pas mal de... Ok, donc là c'est son Naruto qui va passer en premier. J'aurais dû peut-être tuer Naruto à la rigueur. Le Naruto, il a pas beaucoup de points de vie. Le Naruto 4 queues, enfin 3 queues plutôt. Il a même pas balancé. Okay, il a pas switch, donc c'est peut-être une erreur de sa part. De pas avoir switch.
qu'on va essayer de taper avec Madara. Putain, en plus, je tape sur du mauvais. Ça, c'est dommage. Ok, donc là... Là, on est mal parce qu'il il va retaper avec les deux. Putain, en plus, j'ai mon Gaara qui fait qu'il va pas très, très rapide. Ok, bon, là, il a pris son... Comment il s'appelle son... Sasuke Kirin pour faire un jutsu. Là, on va avoir un peu de dégâts. Ok, donc là, on est en sleep damage. Ok, donc son Naruto Kyubi, il revient. J'ai essayé de survivre avec... Hop, mon Naruto KCM qui esquive. Donc du coup, c'est moi qui prends la main. On va éliminer son Naruto... On va éviter de prendre du risque. Du coup, on va éliminer le Naruto. Hop, Janne. Du coup, Madara, il n'est pas encore chargé. Mais mon petit Jiraiya va faire le café. Hop. Hop, Sli. Et il immobilise un peu tout le monde. Attends, on est pas mal. Du coup, on va prendre les deux popos là-bas. Si je peux en prendre au moins une. Voilà, du moins, on a récupéré de la potion. Donc là, c'est la Tsunade qui prend la main. Elle va soigner tout le monde. Merde, je voulais pas qu'elle fasse ça d'ailleurs. Elle va donner... Oh, aïe, aïe. Elle récupère pas mal de points de vie. Du coup, c'est qui? Oh, c'est Shinso qui prend la main. Lui, il faudra que je fasse attention parce qu'il va faire beaucoup de dégâts. J'ai plus beaucoup de dégâts en plus avec mon Madara. Du coup, là, j'ai Naruto. On va vite éliminer sa petite Tsunade parce qu'elle va m'énerver. Hop. Tac, 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 tac. Bim. Terminé, Tsunade. Ah putain, et mon Deidara qui était presque arrivé. De toute façon, la Deidara, elle va se faire plaisir. Je pense que si je... C'est pour ça que Deidara, je l'ai laissé en haut. Parce que là, il peut pas faire grand-chose à part m'attaquer avec son... Ouais, voilà, avec son Naruto. Voilà, Deidara, là, il va faire le petit café. Voilà. Il va tuer qui, d'ailleurs? Il va tuer Shinso. Faut que j'essaye d'éliminer le Shinso plus rapidement. C'est celui qui va me faire le plus de dégâts. Hop. Shinso, et voilà, victoire de Mesto. Première game, victoire car il a bien joué sa stratégie. Alors par contre, niveau vitesse, c'est vrai que c'est pas ça. Du coup, vu qu'il avait beaucoup plus de vitesse que moi, j'avais du mal. Je vais pas mentir que c'était assez compliqué. On va faire quand même une deuxième partie. Je vois que ça va vite quand même au niveau du PVP. Donc on va faire une petite deuxième partie. Allez, let's go. On va repartir avec la même team. Oh, fail. On repart avec la même team. Du coup, il y a beaucoup de vert. Donc moi, je suis en avantage du type parce qu'il a beaucoup de vert. Et moi, j'ai presque que du rouge. Donc, il est pas bien déjà dès le début de la game. J'ai mon Deidara, j'ai mon Naruto KCM2 et mon Madara qui peuvent faire du dégât sur ces persos. Je pense que Madara, je vais essayer. Je pense pas que tu puisses réussir à placer une ultime dans le jeu. Mais... ça peut se faire. Du coup. Ah, Deidara face à Madara. Je pense que c'est Madara qui va atteindre le premier palier. Il a combien? Ouais, il a que du vert en face. Hein. Il a Neji. Ah, d'accord. Il a carrément. Bah, j'ai gagné. Il a rage quit. Parce qu'il avait vu que. Bon, bah, j'ai gagné. Voilà. Bon, bah, ça me fait deux victoires. Ça fait plaisir. Hop, en plus, on monte en la promotion. Bah, il part avec que du vert aussi, donc faut qu'il s'attende. Parce que souvent, les persos qui sont les plus rapides sont souvent les rouges. Enfin, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Promotion battle. Donc là, on va faire la première promotion. Donc c'est parti. J'ai peut-être après enlevé le Jiraiya, me sert pas mal quand même. Hein, parce que le Jiraiya peut taper pas mal de monde et peut immobiliser aussi. Hein. Donc à savoir, pour tous ceux qui veulent jouer face à l'immobilisation. Ah ouais, là, on a du lourd en face. Là. Ah, ça va être carrément compliqué. Là, on va peut-être perdre, les gars. On a fait du... On va peut-être perdre hein, pour cette troisième bataille. Ça va être galère. Parce qu'il a Madara, il a Naruto violet, il a le Minato, il a Gai. Il joue beaucoup sur la vitesse, je pense, lui. Hein. Il joue beaucoup sur la vitesse. Enfin, je pense que c'est le but du jeu. Si tu veux jouer à la vitesse, tu joues la vitesse. Moi, je préfère mieux varier entre les deux. Jouer la vitesse, mais aussi jouer la puissance. Vitesse et puissance. C'est surtout ça la force de ma team. Les premiers, c'est souvent ceux qui partent le plus vite. Et les deux... Oh putain, bah là c'est fini. Hein. Minato qui va passer en premier. Après, je peux dépasser le gars avec mon Minato.
Ça peut se faire. Je peux y gagner là. Ça va être compliqué. Car s'il joue Minato, je pense que son Minato va partir en attaque spé direct sur mon propre Minato à moi. Pour pas que je parte en attaque spé également sur son Minato. D'ailleurs, en plus, il a le petit Utakata. Je pense qu'il a pris des habilités. Il a dû fermer. Je pense que le mode PVP, si t'as pas full habilité sur chaque perso, t'es dans la merde. Bon, il a déjà. Ça joue son Minato. Moi, je vais essayer de jouer avec mon Naruto qui a deux fois le 4 de chakra. Si je peux tâter une attaque ultime avant qu'il me tue, ça peut faire le café. Donc, je pense qu'il hésite à être tué qui? Ah, ok, il fait une attaque auto. Il aurait peut-être pas dû parce que l'attaque auto, au final, moi, ça me prend bien du temps pour que je scelle le jutsu de. Alors, qui peut partir vite en jutsu? On va quand même. Je pense qu'on va taper. Vu que mon Minato va partir après, je pense que je vais plutôt le tuer lui. Tac. Jutsu scellé, parfait. Ah putain, le gars qui arrive en premier. On est un peu. On a un peu le seum. Mais là, moi, j'enchaîne deux persos. Après, Madara et. Et comment il s'appelle et Minato. Donc, je pense que là, je peux faire du gros dégât sur ce perso. Donc là, hop. On va pas chercher midi à 14h. Le Minato, il se casse. Je préfère mieux pas prendre de risques. Tac, 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 tac. Je pense pas le tuer tout de suite. Merde. Bon, il y a Madara. Du coup, je pense que là, le one shot est présent. Hop. On va essayer de tuer les deux. Enfin, on pourra pas tuer les deux, c'est bon. Mais on va faire du dégât pour Madara. Hop. Donc, il a déjà perdu son. Ah putain, Utakata, là, il va se faire plaisir, par contre. Hein. Utakata, on est un peu dans la mouise. Il joue beaucoup de gens jouent le vert, mais le vert, je pense que il est pas mal, mais il faudrait pas totalement jouer comme ça. Au moins, j'ai tué son Minato parce qu'il a que 4 de chakra et pareil pour, faut que je le tue vite rapidement. Son, comment il s'appelle Ok, il essaye de récupérer le plus vite de chakra. Donc là, j'ai mon Minato qui passe devant. Je peux faire en sorte que Naruto parte en attaque ultime sur tout le monde. Mais ça risque d'être compliqué, parce que là il va enchaîner deux personnages, et il va enchaîner peut-être deux ultimates secrètes. Deux ultimes, donc ça va être compliqué. Enfin, deux jutsu. Du coup, j'ai pas trop envie de me manger deux jutsu tout de suite, mais après c'est mes deux persos. Ouais, je. Merde, putain, au final, ouais, j'avais oublié qu'il y avait du temps. Putain, je voulais récupérer le chakra qui était là, pour monter à tout le monde, mais j'ai pas fait attention. Bon, ok. Peut-être erreur de ma part. Aïe, ouf, ça fait mal. 18 000. J'ai perdu presque toute ma full life. Du coup. Oh, Madara est passé devant. On est pas mal. J'ai pas d'ultime. Mais on va utiliser l'ultime de monsieur. Voilà. Hop. De monsieur machin. Paf, 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 paf. Tac. Non, non. On est pas mal. Là, il y a le Naruto qui va. J'espère qu'il va pas tuer mon Naruto KCM. Ah putain, il vise les deux. Aïe, aïe, aïe. Normalement, Naruto KCM meurt, mais. Ah non, il a pas touché mon Naruto KCM, donc on est pas mal. On va être dans la merde. Hein. On va prendre ça. Comme ça, on est tranquille. Donc là, là, il va partir en attaque ultime, c'est sûr. Là, je vais perdre mon Naruto KCM, je pense. Là, je peux perdre double perso. Ça va faire mal. Ah, défaite. On a perdu? Je pense qu'on a perdu. Ouais. GG à lui, hein, parce que franchement, il a bien géré. Parce que je voulais tuer directement son truc. Mais j'ai carrément zappé. Donc voilà. Bon, faut que je reconforme ma team parce qu'elle est pas OP pour ça. Je pense qu'il manque encore un peu de. C'était mes premières games. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros Mirai pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat, bien évidemment. Et à me dire si vous voulez voir plus de vidéos de PVP sur Naruto Blazing. Je vais refaire quelques vidéos. Voilà, je serai le plus fort. Ou même Mesto l'Invincible hein, aussi. Hein, on pourrait partir là-dessus, hein, maintenant qu'il y a du PVP. Donc voilà.
Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire également si cette vidéo vous a plu. Puis on se retrouve pour le prochaine vidéo, pour le prochain rêve, encore une fois, pour le prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!